Mesdames et messieurs, chers auditeurs, auditrices, Marguerite Tourcenard a consacré une importante partie des mémoires d'Adrien aux années 117-123, qui correspondent à la période où le nouvel empereur, après l'échec de la guerre menée par son prédécesseur contre les Parthes, procède à la remise en ordre du monde gréco-romain. Aussi a-t-elle donné pour titre à ce chapitre un des slogans politiques euh, que l'on trouve dans le monnayage impérial de l'époque, Tellus stabilita, la terre rendue à sa stabilité. La longue marche d'Adrien depuis la Syrie jusqu'à Rome l'a peu retenue. Elle fait certes état de la guerre euh, menée par l'empereur contre les Sarmates le long des provinces danubiennes au printemps 118. Mais elle est pratiquement muette sur la traversée de l'Asie Mineure. Comme si l'inscription d'Ancyre de Galatie, qui atteste, on s'en souvient peut-être, le passage de, du cortège impérial par ce nœud routier, lui avait échappé. En réalité, on a la preuve du contraire. Puisque, quand Adrien tentait encore de détourner Trajan, d'une nouvelle campagne orientale en 116, elle fait dire ceci à son héros Mon ami Latinius Alexander, qui descendait d'une des vieilles familles royales d'Asie Mineure, ne fut pas davantage écouté. Page 88. Ce personnage, ignoré des sources littéraires, n'est autre en effet que l'aristocrate Galate, Lateinios Alexandros, qui, au témoignage de cette inscription même, Pris soin d'accueillir à Ancyre le prince et son armée, ses stratagèmes Autrement dit, c'est de manière délibérée que l'auteur des mémoires a escamoté cet épisode pour en évoquer un autre, survenu prétendument en Misie, une chasse où l'empereur faillit tomber dans une embuscade tendue par le sénateur d'origine mort, Lucius Quietus. Or, a imaginé cela dans le sillage d'un érudit allemand, von Priemolstein, qui, en 1908, croyait pouvoir établir un étrange va-et-vient d'Adrien, en Asie mineure, pour y situer un attentat manqué de quelques consulaires contre le nouvel empereur. Hypothèse d'autant plus invraisemblable que Lusius Quietus, relevé des 117 de son « Commandement » Euh, sur les cavaliers maures, ne fut sans doute pas du voyage, mais rentra directement d'Antioche euh, en Italie. Si donc Yoursenar a pris ce curieux euh, parti, au lieu de suivre sagement, comme elle le fait d'ordinaire, la voie tracée par Wilhelm Weber, en 1907 déjà, c'est qu'elle a voulu mieux préparer son lecteur à l'un des actes d'Adrien les plus vivement critiqué, sévèrement condamné euh, dès l'Antiquité. L'élimination brutale de quatre sénateurs parmi les plus en vue. On lit en effet chez l'historien Dion Cassius, vous avez ce texte dans votre dossier, que ceux qui furent tués au début du règne étaient Palma et Celsus d'un côté, Nigrinus et Lusius de l'autre, les premiers pour la raison qu'il lui avait tendu une embuscade lors d'une chasse, les seconds pour d'autres griefs. Il y eut donc bel et bien une chasse, terra, même si l'histoire Auguste, elle, parle d'une cérémonie euh, de sacrifice. Vous avez ce texte également, Sacrificanti Adriano ce qui n'est peut-être pas euh, incompatible. Mais euh, on voit que cette chasse n'est nullement située, euh, présentée comme, dans nos sources, comme s'étant déroulée en Misie, et que Lusius, n'est pas euh, de ceux qui sont censés y avoir participé. Là encore, cependant, le choix de Hursonar n'est pas totalement arbitraire. Si chez elle le complot a pour théâtre la misie, c'est qu'Adrien y mena des chasses mémorables et qu'il y fonda une ville euh, connue sous le nom de Adrianou Terrai, les chasses d'Adrien, destinées, comme écrit l'auteur, page 137, à servir d'emporium aux forestiers de l'Asie mineure. Au milieu de cette région effectivement très boisée que notre maître Louis Robert, en 1982 encore, s'était plus à évoquer à travers l'éloquent témoignage euh, des anciens voyageurs, et cela en rapport justement avec, euh, une, euh, avec Adrien, euh, qu'un qu document trouvé peu auparavant, euh, peu auparavant dans ce pays euh, identifiait à Zeus, chasseur, dia cunegesion, chose qui, on le voit d'après le texte, euh, avait d'abord été méconnue. Mais cette activité synergétique en Misie n'eut lieu que plus tard, qu'on le verra encore en temps et lieu, et pas lors du passage très rapide de l'automne 117. Relevons enfin que, si l'auteur des mémoires a jugé nécessaire d'imputer à Lucius Quietus la responsabilité de l'attentat, c'est que ce personnage était effectivement des quatre sénateurs brutalement éliminés le plus suspect d'intention hostile à l'égard de l'empereur, alors que son supposé complice Gaius Avidius Nigrinus se trouvait être selon toute apparence un homme beaucoup plus recommandable, mais peut-être pas moins irrité après la décision d'Adrien de le démettre de ses importantes fonctions en euh, Dacie car on sait que ce lettré donc euh, Nigrinus était euh, euh, lettré ami euh, de Plutarque il avait fait euh, euh, d'ailleurs euh, un assez long euh, séjour euh, en Grèce envoyé en tant que legatus Augusti pro praetore par Trajan vers euh, 110 pour régler par le biais d'arbitrage plusieurs conflits de frontières entre les gens de Delphes et leurs voisins, comme nous l'a appris de longue date un beau dossier bilingue dont l'étude a été renouvelée naguère par Denis Rousset dans sa thèse sur le territoire de Delphes. Le complot de Lucius Quietus pouvait donc suffire à justifier d'une certaine façon l'élimination expéditive de ce carteron de sénateur, chose dont Adrien, du en croire cette fois son authentique euh, biographie, euh, alléguée ici par euh, l'une de nos sources, refusait d'endosser la responsabilité. C'est donc son ancien tuteur, le préfet du prétoire euh, Asilius euh, Atianus, qui prit la chose pour, euh, sur lui pour garantir l'innocence du prince. Celui-ci, dans un premier temps, aurait fait mine d'être très fâché, Jugeant euh, le préfet seul coupable de ce quadruple attentat perpétré, perpétré en quatre euh, euh, points de l'Italie. En réalité, il ne lui en pas euh, très longtemps euh, rigueur, car, comme Yourcenar euh, le fait dire à Adrien, il ne faudrait pas s'exagérer l'étendue de sa disgrâce. Page 110. De fait, en 119, au témoignage de l'histoire Auguste, cette fois, euh, chapitre 9, le chevalier Atianus reçut pour euh, prix de ses services les ornements consulaires, ce qui lui permit d'accéder au Sénat, comme d'autres préfets euh, avant lui, notamment euh, ces gens. Mais il fut remplacé dans son poste par le dévoué Marcius Turbo, qui obtenait ainsi la récompense de son activité sur tous les fronts depuis l'an 113. On ne s'arrêtera guère euh, ici sur le temps qu'Adrien passa à Rome, entre l'été 118 et le début de 121, date de son départ pour les provinces occidentales. D'autant moins qu'il n'est guère euh, aisé de distinguer ce qui, euh, parmi les mesures qu'on lui attribue en vrac euh, pendant ses séjours dans la capitale, euh, appartient en propre à, ce, à cette période-là. L'une des mesures, cependant, est datée précisément de 118. Il s'agit de l'acte par lequel, au lendemain même de son arrivée, le 9 juillet, il fit remise des dettes que les citoyens romains devaient au fisc impérial, sinon au trésor public. Comme l'affirme Dion Cassius. Et cela pour une durée de 15 ans. Une célèbre inscription euh, de, de Rome que vous avez dans votre dossier, de même qu'un relief atteste cette libéralité euh, en signe de joyeux avènement de la part d'un empereur qui par ailleurs euh, se montra très soucieux euh, de l'état des finances publiques. On signalera aussi pour mémoire. Que plusieurs des belles inscriptions latines, euh, où se trouve transcrit le procès-verbal euh, des séances du vénérable collège des frères Arval, où Adrien fut accueilli le jour même de son arrivée à Rome, se rapportent précisément à ces années 118-120. Elles sont aisément consultables dans l'édition minutieuse qu'en a donnée naguère notre collègue John scheid. On ne saurait douter qu'Adrien fut dès alors actif sur bien des plans, en particulier dans le domaine édilitaire, avec la construction du temple de Vénus et de Roma, tandis que, chose à première vue euh, singulière et d'ailleurs mal accueillie par le public, il fit détruire un théâtre euh, élevé par son prédécesseur au champ de Mars. Mais peut-être était-ce euh, déjà en prévision de l'édification du nouveau Panthéon, qui sera, on le sait, le chef-d'œuvre architectural de son Principat. Il ne refusa pas à la population urbaine les grands spectacles de chasse et les combats de gladiateurs dont elle était friande. D'une manière plus générale, il paraît avoir voulu répondre à l'attente du Senatus Populusque Romanus en essayant de rattraper le retard que l'absence d'un empereur pendant cinq ans, euh, entre le départ de Trajan en 113 et son retour à lui en 118. Et, et cela euh, n'avait pu manquer de provoquer des, des retards sur le plan administratif et législatif. C'est pourquoi d'ailleurs, il fut à nouveau consul en, euh, dans, dans le premier quadrimestre de l'an 119 pour une troisième fois, donc, et d'ailleurs dernière, euh, dernière fois. Mais le plus urgent sans doute était de, con, de conduire d'importantes réformes militaires ou paramilitaires, comme celle du cursus publicus, le service de la poste, dont fait état euh, l'histoire euh, Auguste, et dont nous aurons à reparler à propos de deux Édits en euh, grec, cette fois récemment euh, découverts. Il ne négligera pas non plus... Euh, L'Italie euh, qu'il divisa en quatre circonscriptions judiciaires. Ce sont pas euh, cette carte ne montre pas euh, ces, ces quatre régiones euh, pour alléger les tribunaux romains, ce qui tendait du reste à faire euh, de la péninsule une province comme les autres. On sait qu'il parcourut la campagne au moins une fois pendant ces années-là. Il se pourrait bien d'autre part qu'au printemps 122, il ait traversé l'ancienne province de Gaulle cisalpine, c'est-à-dire la région padane, puisque c'est à cette date qu'il partit pour les Gaules, comme le dit l'histoire Auguste, chapitre 10, Profectus est per Galliens, en ajoutant avec plus de conviction que de précision qu'il les releva toutes, soublewauit omnes, par ses libéralités. Mais en vérité, on s'aperçoit L'itinéraire du grand voyage occidental est loin d'être bien établi en dépit de l'abondante documentation épigraphique et archéologique produite par les recherches sur la Gaule romaine. Depuis 1986, dans le sillage de l'ouvrage de référence qu'est l'étude sur les itinéra principum de l'historien allemand Helmut euh, Halfmann, plusieurs historiens sont d'avis qu'Adrien dut s'embarquer à Ostie pour Massalia et qu'il remonta à la vallée euh, du Rhône pour gagner la capitale des trois Gaules, Lugdunum, où il aurait pu passer euh, l'hiver 121-122. Euh, Cette ville de Lyon, déjà passablement cosmopolite, avec des aménagements urbains qui la faisaient ressembler un peu aux métropoles de l'Orient grec, sinon même à la capitale, lui eût certes procuré un séjour agréable. Mais comme le montre la carte empruntée euh, euh, au catalogue de l'exposition du British Museum sur Adrien en 2008, euh, d'autres spécialistes sont restés fidèles à l'opinion de Wilhelm Weber, selon qui l'empereur euh, ne passa à Lyon et sans doute ensuite à Marseille qu'à son retour de euh, Bretagne. Allait donc il aurait donné la priorité absolue aux provinces rhénanes, c'est-à-dire aux armées, dont il voulait restaurer euh, la discipline, ainsi que cela ressort assez clairement euh, de euh, l'histoire auguste. Dès lors, Adrien aurait euh, gagné le Rhin plus directement par euh, 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 le col du, du Grand Saint-Bernard, disons par la vallée euh, d'Ost, euh, ce col qui était ouvert. Depuis l'époque de Claude, déjà, euh, il aurait traversé donc le plateau suisse qui faisait partie de la Germanie supérieure avec un camp légionnaire à Vindonissa, non loin du Rhin. Mais il aurait pu euh, tout aussi bien se diriger d'abord euh, par les Alpes juliennes vers les provinces de Récy et de Norique, puis en 122 continuer son inspection le long du Rhin. En passant par Mayence, Cologne, en Germanie inférieure, puis euh, euh, pour aller finalement jusqu'à Xanten, euh, Castra Vetera, et peut-être euh, en passant par Nimeg, Noviomagus, jusqu'à l'embouchure euh, du fleuve, où l'on connaît de fait une localité appelée euh, Forum Adriani. De fait, si Marguerite Jursenard a réservé une place. Euh, relativement importante à ce voyage rhénan, qui était censé évoquer pour l'empereur bien des euh, souvenirs de sa vie d'officier, elle est passée très vite sur la traversée de la Gaule et sur le voyage dans la péninsule ibérique, ne soufflant mot du problématique séjour à Lyon. Elle a senti que le moment le plus intéressant de cette tournée d'inspection était en réalité ailleurs, chez les Britonesses. Les Bretons insulaires, bien sûr. De fait, elle écrit euh, dans les mémoires, La Gaule prospère, l'Espagne opulente me retinrent moins longtemps que la Bretagne. C'est Adrien qui parle. C'est qu'à Antioche déjà, on s'en souvient, Adrien avait appris que l'agitation euh, régnait dans cette île, où la domination de Rome était mise en péril par les Calédoniens occupant la partie septentrionale du pays. Il y avait des péchés euh, comme euh, gouverneur dès 121, un homme extrêmement euh, expérimenté, l'ancien consul Quintus Pompeius Falco, à qui devait être bientôt confiée la plus riche des provinces, celle d'Asie. Contre les Bretons récalcitrants, l'empereur inaugura une politique d'exclusion plutôt que de conquête et d'assimilation. En étant le premier primus de l'histoire euh, Auguste à construire un mur de 80 000 pas de long pour euh, séparer, séparer euh, les Romains et les barbares (chapitre 11). On sait que cet ouvrage, euh, qui va de l'estuaire de la rivière Solway à l'ouest à celui de la Tyne à l'est, est par endroits très bien conservé. Plusieurs images le montrent. Euh, et Son attribution à Adrien a été confirmée dès le XIXe siècle par une célèbre pierre inscrite provenant d'un des fortins euh, et qui fait mention du légat d'Adrien euh, <coughs> Aulus Platorius Nepos, arrivé en même temps que l'empereur, avec la sixième Légion Victrix, qui avait été déplacée tout exprès depuis la Germanie pour assurer au camp de York et Buracom euh, la défense de la frontière septentrionale. Ce sénateur d'origine hispanique, lui aussi, faisait partie des proches euh, d'Adrien. Son cursus nous est euh, connu par une belle euh, inscription d'Aquilée, conservée à, à Vienne, en Autriche, euh, que, oui, qui est celle-ci, à, à droite, que vous avez dans votre, euh, dans votre euh, dossier. Marguerite Surcenard. L'a utilisée au moins indirectement quand elle évoque sa carrière. On signalera aussi la découverte toute récente, en 2007, d'un nouveau diplôme militaire, à gauche ici, euh, trouvé dans le North Yorkshire, attestant l'octroi par Adrien, qui porta le titre de proconsul, comme c'était l'usage. Quand il était en déplacement dans les provinces dites impériales, de l'honesta missio, de la retraite avec le bénéfice de la citoyenneté romaine, à un fontassin, et cela en vertu d'une constitution, comme on dit, concernant euh, maintes unités de troupes auxiliaires. Quae sunt in Britannia, dit le texte, sub aulo platorio nepoté, à une date que les indications. Calendaires permettent de fixer très précisément au 17 juillet 122. La présence d'Adrien aux abords du mur en cet été-là est assurée aujourd'hui par diverses inscriptions, ainsi, sans même parler d'un mémorial fragmentaire reproduisant sans doute un discours de l'impérator à la mémoire des soldats tombés au combat, des tablettes, je ne le montre pas. Euh, mise au jour dans le fort désormais célèbre de Vinolanda, notamment une supplique adressée à Sa Majesté, Tuam Majestatem Imploro, par un prévenu. Un petit incident, un petit incident marqua euh, le séjour de la cour impériale en Bretagne. On en trouve l'écho dans euh, Mémoire d'Adrien, mais en dehors de son contexte britannique, qui ne fut pas euh, perçu d'emblée par les historiens. Deux membres de l'ordre équestre, qui faisaient partie du conseil de l'empereur, furent révoqués au motif, nous dit l'histoire Auguste, chapitre 11, qu'ils avaient manifesté à l'égard de l'impératrice euh, euh, Sabine euh, un empressement outrepassant les règles de l'étiquette. L'un était le préfet du prétoire. Septicius Clarus, l'autre, le directeur de la correspondance latine, Suetonius Tranquillus, autrement dit, le biographe des douze Césars. Il s'agissait sans doute moins de galanterie, car Sabine n'était pas ou n'avait en tout cas pas la réputation d'une Messaline, que d'intrigues ou de propos malveillants à l'encontre d'Adrien. À qui l'on ne se gênait point d'adresser parfois des critiques, ne serait-ce que pour avoir emmené la cour dans un pays tel que la Bretagne. Je ne veux pas être César, écrivait ainsi le poète et historien Florus, vous avez ce texte dans votre dossier, si c'est pour me promener chez les Bretons. Ego nolo caesaresse ambulare per britanos, etc. L'empereur, lui, aurait aimé ce pays. Tout m'enchanta dans cette terre pluvieuse, lui fait dire l'auteur des mémoires. On peut penser en tout cas qu'il prit conscience d'avoir marqué durablement par la construction du mur le paysage de la grande île. Ce rempart devint l'emblème de mon renoncement à la politique de conquête. Page 145 des mémoires. Dès l'automne 122, il lui fallut revenir vers les rivages de la Méditerranée. Pardon, c'est le texte de Florus. De sa traversée de la Gaule, on ne sait rien de précis avant l'arrivée dans la vieille province de Narbonnaise, qu'il fut peut-être amené à parcourir dans les deux sens. Une inscription constituée de deux fragments trouvés à Apte. Dans le Vaucluse, Apta Julia, euh, se présente comme l'épitaphe de Boristhène, euh, le coursier Alain de l'Empereur. Euh, le document ayant disparu, on a pu douter de son authenticité, y voir un exercice érudit, euh, conforme à la tradition historiographique qui établit qu'Adrien avait effectivement élevé pour son cheval bien-aimé, un tombeau orné d'une épigramme. Euh, cela ressort de Dion Cassius et comme de l'histoire augule. Celle d'Apte, dont je donne ici une transcription avec la traduction des éditeurs, vante l'endurance de l'animal dans la chasse euh, en étrurie au sanglier de Pannonie. Une attitude hypercritique n'est plus de mise. En l'occurrence, d'abord parce que le passage d'Adrien à Avignon est rendu très plausible par le nom de Colonia Iulia Adriana que prit alors cette ville, comme tant de cités de l'Orient euh, grec. D'autre part, l'aptitude de l'empereur la, à rédiger de petites pièces euh, en vers, sans parler de son goût pour la lecture des poètes, est chose bien attestée. On en verra un bel exemple en Grèce même. Enfin, son amour des chevaux découle assez naturellement de sa passion déjà évoquée pour la chasse et plus encore peut-être de sa vie itinérante. Comment se pourrait-il qu'avec ces montures successives, il n'ait pas eu un contact fort euh, Dès les premières pages des mémoires, à cause de l'obligation où il est désormais de devoir renoncer à monter euh, à cheval, Adrien trouve le moyen d'exprimer Marguerite Jourcenard trouve le moyen d'exprimer euh, cela avec euh, chaleur. Si on m'avait laissé le choix de ma condition, j'eusse opté pour celle de centaure. Entre Boristène et moi, les rapports étaient d'une netteté mathématique. Page 12. Si l'inscription d'Apte était un faux moderne, il faudrait alors saluer l'habileté euh, du faussaire. Adrien se rendit en tout cas à Nemausus, euh, Nîmes, l'illustre euh, patrie euh, du futur empereur Antonin, où nos sources, l'histoire auguste, euh, comme Dion Cassius, rapportent qu'il fit construire une basilique en l'honneur de l'impératrice Plotine, édifice qui devint, semble-t-il, un temple à sa mémoire après euh, 123. Mais la princesse était probablement encore en vie à cette date. Euh, la mort, de sa, sa mort n'étant euh, pas euh, précisément euh, fixée. D'autres villes de la Narbonnaise durent recevoir la visite de l'empereur, ainsi Argelate, Arles, la cité du euh, rhéteur Favorinos, qui certes n'y était plus domicilié, ayant fait fortune à l'étranger. On le retrouvera plus tard à Athènes. Sur la route qui mena Adrien vers la Taraconèse, une étape à Narbonne, euh, capitale provinciale, va de soi, mais reste peu ou pas documenté. Dans le cas de Barcino-Barcelone, euh, euh, passage obligé, euh, lui aussi, on peut en revanche risquer une hypothèse, c'est que le cortège impérial dut être euh, accueilli dans cette ville par un personnage considérable, euh, dans ce municipe. Euh, le consulaire L. Euh, Lucius Minucius Gallus Natalis qui avait fait la guerre d'Assique euh, sous Trajan et devait finalement accéder après une possible période euh, de défaveur au début du règne d'Adrien au proconsulat très important euh, d'Afrique euh, euh, en cette année 122 ou 123 avec son propre fils <coughs> à ses côtés en qualité de légat comme l'ancienne une belle inscription de Barsino et d'autres concernant euh, Minucius fils. L'une d'elles, en grec, euh, euh, montre que le personnage tint à briller à Olympie en l'an euh, 129, en remportant, mais évidemment par cocher interposé, euh, le, la course de quadrige, C'est donc une inscription d'Olympie euh, même. De Barcino, le cortège impérial s'était dirigé euh, vers Tarragone, la, euh, la, capitale, <coughs> euh, la capitale de la province d'Espagne euh, citérieure, où Adrien passa euh, l'hiver 122-123, Tarragone yemavit comme le précise opportunément ici euh, l'histoire euh, Auguste, qui situe euh, également une réunion pan-islamique assez tumultueuse semble-t-il, beaucoup de cités de droit italique s'étant opposées à une nouvelle levée de troupes. Quoi qu'on en dise, souvent le voyage dut s'arrêter là. Ni alors ni plus tard l'empereur n'eut le loisir de se rendre dans sa patria, la lointaine Italica d'Andalousie, dont il dut cependant recevoir une ambassade. À la suite de quoi, il s'employa devant le Sénat. Euh, euh, à obtenir pour ses compatriotes le statut plus honorifique de colonie romaine, affaire dont on a connaissance euh, par l'écrivain gel dans ses Nuits attiques. Euh, vous avez ce texte. Car Adrien se serait étonné que les gens d'Italica eussent euh, ainsi délibérément renoncé à leur statut euh, ancestral. Euh, très favorable pour une illusoire euh, promotion. Il fit aussi rénover, alors ou plus tard, la route menant à Italica, euh, ainsi que l'atteste une belle borne euh, euh, miliaire. Mais il n'eut pas euh, le temps, non plus, selon toute apparence, et bien qu'ici euh, on prétende parfois euh, le contraire, de rendre visite euh, aux officiers, aux soldats de la 7e Légion Gemina, stationnée au camp de Légio, dans la province de Léon. De l'activité administrative d'Adrien en Espagne témoignent cependant euh, deux beaux documents, comme le rappelle euh, Patrick Leroux, grand spécialiste, dans sa récente synthèse sur la péninsule ibérique. Euh, D'abord, euh, les deux célèbres règlements minier de Vipasca euh, en Lusitanie, Portugal, qui atteste que l'empereur possédait des mines d'argent et de cuivre dont la gestion était confiée à un procurateur non sans profit pour le fisc impérial. Notons le passage que Marguerite Yourcenar s'est fondé sur l'existence de cette inscription, ou ces inscriptions, pour supposer qu'Adrien, à l'occasion d'un voyage entrepris dans la péninsule dès les alentours de 110, c'est une hypothèse, pour surveiller l'exploitation des mines qu'il était censé tenir de sa famille, aurait pu constater les effets néfastes, jusque dans ces confins extrêmes de l'Empire, des levées de troupes rendues alors nécessaires par... La guerre euh, contre les Das. On voit qu'ici, une fois de plus, l'auteur a très habilement combiné les sources qui étaient à sa disposition sur l'Hispanie. Mais le second grand document d'époque adrianique n'est apparu, lui, que tout récemment. C'est une imposante euh, 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 plaque de bronze, conservée certes en partie euh, seulement, euh, contenant. Un règlement relatif à l'exploitation de l'eau sur les rives de l'Ebre. Euh, ce texte est original est d'autant plus intéressant que s'y font jour des préoccupations assez semblables, somme toute, à celles qui inspirent les mesures prises par Adrien à Coroner de Béotie en vue de réguler le cours des affluents du lac Copaïs, dossier à examiner ultérieurement. Pour en revenir au voyage de 122-123, tout paraît indiquer euh, qu'il fut écourté en raison de nouvelles alarmantes venues d'Afrique et surtout euh, d'Orient, compte tenu de ce que euh, l'une des zones touchées euh, par ces troubles était le pays des morts, toujours en proie à l'agitation. On l'admet souvent. Quadrien, depuis l'Espagne, fit euh, un crochet, si l'on peut dire, par la province de Maurétanie tingitane, puis par celle de euh, la Maurétanie césarienne. Mais jusqu'à plus ample informé, cette hypothèse paraît difficile à accepter. En réalité, sans prendre le temps de souffler, il dut se rembarquer pour l'Orient dès l'été euh, 123. C'est que le roi des Parthes, Osroès, ne se montrait à nouveau menaçant en Arménie ou sur l'Euphrate. Pour Adrien, le moment était critique, euh, dans la mesure où c'était sa politique, le, le bien fondé de sa politique défensive qui était euh, peut-être en, en jeu. Le déplacement de l'empereur sur le front oriental découle d'une phrase, une petite phrase euh, de l'histoire auguste qui parle d'un entretien colloquium, grâce auquel la menace d'une guerre avec les Parthes fut écartée. Ça, c'est au chapitre 12. Mais quel itinéraire Adrien emprunta-t-il pour aller à la rencontre du souverain arsacide? Force est de constater qu'aujourd'hui encore, on se trouve extraordinairement euh, mal renseigné sur euh, ce point. On ignore même si venant d'Espagne ou la rigueur d'Afrique, il fit halte à Rome avant de cingler vers la Syrie. On a pu penser autrefois qu'il avait emprunté la route terrestre euh, suivie en sens inverse dans son premier voyage, car plusieurs bornes militaires, dont vous avez un spécimen ici connu depuis longtemps, sont datées de la sixième puissance tribunicienne euh, d'Adrien, soit de l'année 122. Mais cette date trop haute ne peut convenir pour le déplacement euh, du prince. Elle dénote tout au plus, chez le gouverneur de la Galatie, le souci d'améliorer le réseau routier en vue d'une guerre possible en Orient. Le voyage accéléré d'Adrien en 123 se fit nécessairement par la voie maritime, mais en plusieurs étapes, bien sûr. Dans les mémoires, Adrien dit avoir fait halte en Lichy, sur la côte sud de l'Asie mineure. On verra toutefois dans une prochaine leçon, euh, que ce, le choix de cet itinéraire résulte, chez Marguerite Ursonnard, du désir de faire intervenir, dans ce contexte précisément, les vergettes lyciens au de Rhodiapolis. En réalité, l'empereur a dû longer la côte africaine, une escale à Carthage et une autre à Leptis Magna sont de l'ordre... Euh, euh, du probable. Ainsi, on a pu supposer que la réfection d'une route euh, entre Carthage et Théveste, entreprise précisément en 123 par le gouverneur d'alors euh, Publius Metilius Segundus, tenu par une inscription d'Italie, soit en rapport avec euh, une escale de euh, l'empereur dans la capitale de l'Afrique proconsulaire. On sait d'autre part qu'à Leptis, il existe des bains d'Adrien, luxueux. Établissement euh, thermal dont la construction paraît avoir été entreprise euh, précisément en 123. Le cas de Cyrène est un peu différent. On se souvient en effet qu'au moment de son avènement, en 117, le nouvel empereur n'avait pu euh, se rendre d'Antioche en Cyrénaïque, province durement éprouvée par euh, la révolte juive des années précédentes. Mais des inscriptions euh, grecques et latines publiées en 1950, donc juste trop tard pour être connues de Marguerite Ursonnaz, ont révélé que dès euh, l'année de sa seconde puissance tribunicienne, donc à son retour à Rome en euh, l'été 118, Adrien donna l'ordre de faire restaurer au bénéfice de la cité de Cyrène le Caesareum. Au édifice du culte impérial, qui avait été détruit lors du soulèvement judaïque, Tokaïzareyon euh, Judaïko euh, Tarako Katestramenon. Euh, la même année, il fut honoré par cette cité, euh, importante cité, d'une statue de bronze au témoignage d'un socle portant une autre inscription euh, bilingue, c'est celle de, de droite au témoignage donc, de, ce, de ce document. L'empereur aurait pu s'en tenir là, mais une intervention personnelle de sa part paraît découler du témoignage de plusieurs sources tardives, les histoires d'aurose notamment, qui relèvent que les guerres menées en Libye euh, furent si féroces, bella atroquissima, que ce pays aurait été complètement dépeuplé dé 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 si par la suite l'empereur Adrien n'y avait implanté des colonies. Euh, venu euh, d'ailleurs. Or, euh, dans diverses versions de la chronique d'Eusèbe, la chose est datée de l'année 2136 ou 2137 depuis Abraham, soit 122-123 de notre ère, ce qui ne saurait être fortuit. Au surplus, dès l'époque du géographe euh, Ptolémée, on connaît dans ce pays une ville nommée Adrianopolis. L'actuelle Driana euh, a situé entre Berenike, Benghazi et Taukeira, Tokra, deux villes où l'élément juif justement était très actif et dans l'ensemble assez fortuné euh, dès le premier siècle de notre ère. Euh, comme l'a montré euh, le euh, regretté André Laronde dans un mémoire de synthèse paru en 1988, s'appuyant d'un côté sur les travaux de Applebaum consacré à la communauté juive, de l'autre sur les fouilles italiennes de euh, Sirène et celle de la mission française à Polonia, les gens de cette euh, ville côtière saluèrent Adrien dès l'année 129 du titre de fondateur oikistes, avec la nuance que ce mot comporte par rapport à celui euh, de ktistes, comme l'a montré euh, Suzanne Follet. Et cela sur le sur le piédestal de la statue euh, qu'ils euh, qu firent ériger d'Adrien dans l'Olympéion euh, euh, d'Athènes. Le nom d'Adrien survit d'ailleurs à Apollonia euh, sur un fragment d'épistyle que nous examinerons plus tard. Et les Cyrénéens, à qui Adrien adressa bien plus tard une lettre importante, ne furent pas en reste dans leur reconnaissance à l'égard de cet empereur qui pouvait passer à juste titre comme un restitutor libué. Si donc cette étape en Cyrénaïque lors du voyage maritime de 123, revenons sur la carte, euh, est des plus probables, rien n'assure en revanche que l'empereur soit passé de là en Crète, euh, qui était rattachée à cette province de, euh, de Cyrénaïque, euh, l'île de Chypre également fut euh, sans doute laissée de côté. Une, une escale à Alexandrie est en revanche vraisemblable, mais elle dut être fort brève, en dépit du fait que l'Égypte avait connu l'année précédente des turbulences de caractère religieux qui avaient préoccupé Adrien euh, durant sa traversée de la Gaule. L'empereur se contenta euh, peut-être d'un salut au préfet euh, Titus Atterius Nepos, en place depuis 119, et d'une apparition publique éventuellement devant les Alexandrins. Il fallait gagner... Euh, Antioche sans tarder, ce qui pourrait avoir été réalisé dès le mois de juin, comme on a pensé pouvoir l'inférer, euh, de la création par Adrien d'une fête qui, selon le chroniqueur byzantin Jean Malalas, devait être célébrée dans cette ville chaque 23 euh, juin. En tout cas, après s'être entouré d'une garde solide, prête à parer à toute éventualité, l'empereur prit euh, au plus vite le chemin de la frontière romanoparte. Pour avoir avec le roi Osroès l'entrevue qui était le premier motif de son voyage. Chose curieuse, assez révélatrice euh, du délabrement de nos sources narratives, on ne sait rien de plus sur cette conférence au sommet, euh, dirions-nous aujourd'hui, pas même l'endroit où elle eut lieu. Sans doute Zogma, euh, sur le l'Euphrate, aujourd'hui enfouie dans les eaux de ce fleuve, Doura repose peut-être. Il est sûr, en revanche, qu'il y eut accord, euh, puisque la paix fut maintenue entre les deux empires pour toute la durée du Principat euh, d'Adrien. Au lendemain de cette euh, victoire diplomatique, l'empereur entame le voyage du retour, dont le premier tronçon euh, euh, reste toujours passablement obscur. L'auteur de l'histoire Auguste le résumant en trois mots. L'utilité de cette faible notice est de mettre en lumière qu'après avoir parcouru l'Asie et les îles, Adrien se rendit par mer en Achaïe. Per Asiam et insulas ad Achaïam nawigavit. Le nom Asia pourrait revêtir ici son sens le plus large, car l'empereur ne se dirigea euh, certainement pas euh, tout de suite vers la province d'Asie. Euh, contrairement à ce que peut. Euh, 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 suggérer euh, certaines cartes, mais euh, il suivit la frontière Parthe, à travers la Cappadoce méridionale, pour visiter le camp légionnaire euh, de Mélitène puis celui de Satala en petite Arménie. C'est très vraisemblablement au cours de ce voyage qu'il permit aux habitants de la, euh, du royaume d'Arménie de désigner un souverain L'information nous vient encore de l'histoire au auguste, mais sans indication chronologique. Puis, Adrien dut faire route en direction du pont Il y a en effet une bonne raison d'admettre que la mer Noire fut atteinte à Trapézonte, la Byzantine pré ville située au carrefour de voies maritimes et terrestres très importantes. C'est au témoignage du fameux périple du pont euh, œuvre du gouverneur de Cappadoce, Flavius euh, Arianus, plus connu sous le nom euh, d'Arien. Nous reviendrons sur la carrière exemplaire de ce grec de euh, Bithynie. Car l'auteur de ce texte, que vous avez dans votre euh, dossier, euh, rapportant son arrivée dans cette colonie de Sinope, écrit ceci en s'adressant directement à euh, l'empereur La mère de Leuxin, c'est avec joie. Que nous l'avons contemplé juste du même endroit que Xénophon et toi. Allusion bien sûr au célèbre passage de la Nabase, euh, où les dix mille purent enfin s'écrier d'une seule voix après leur longue marche. Talassa, Talassa, la mer, la mer. Il est vrai que bien des critiques, y compris l'éditeur de cet opuscule dans la collection des universités euh, de France en 1995, ont pu penser que le passage d'Adrien à Trapezonte datait d'un voyage ultérieur dans le nord de l'Asie Mineure, en 131 seulement, en relation avec une expédition contre les Sites. Mais on verra que précisément, cette expédition eut lieu en réalité beaucoup plus tôt. D'autre part, en mettant la venue de l'empereur à Trapézonte. Vers la fin de 123, on s'explique beaucoup mieux que les Beaumolles, les hôtels du culte impérial élevés pour Adrien dans cette ville, y aient eu déjà, au témoignage d'Arien, euh, tristes mines, taillées qu'ils avaient été dans une pierre médiocre, avec une inscription dont les lettres mal gravées, euh, sans parler des fautes de grec, étaient déjà sur le point de disparaître y compris une statue impériale d'assez faible valeur artistique. à cet ensemble pourrait se rapporter une dédicace à l'empereur trouvée naguère à trapézante même et arbitrairement datée de euh, 131 par l'éditeur. en fait comme l'a bien vu euh, helmut halfmann approuvé par ronald sim un écart de plusieurs années semble requis entre la visite de l'empereur et celle d'arien qui est elle-même datable des alentours de 131. Donc, de trapézonte, euh, en longeant la côte selon toute probabilité, Adrien put se rendre assez aisément en Bithynie, où les choses redeviennent un peu euh, plus claires. Marguerite Chaussonard a fait du séjour bithynien euh, en 123-124, et certains d'entre vous s'en souviennent euh, sans doute. Le pivot euh, de toute l'œuvre. Voici en effet comment euh, s'ouvre le chapitre intitulé Saeculum Aureum, qui constitue la partie centrale des mémoires. La formule, ici aussi, euh, est empruntée à une légende monétaire. L'été qui suivit ma rencontre avec Osroès, donc le roi des Parthes, se passa en Asie mineure. Je fis halte en Bithynie. Pour surveiller moi-même la mise en coupe des forêts de l'État. Subtile allusion à l'environnement très boisé, bien arrosé des villes situées en arrière de la côte pontique. Prusias euh, de Lipios en particulier à laquelle Louis Robert a consacré des pages très évocatrices euh, dans son livre euh, à travers l'Asie mineure. Joursonard a préparé ainsi ses lecteurs à l'événement majeur que sera la rencontre. Localisé par elle à Nicomédie, euh, de l'empereur avec le bel Antinous, natif de Bitignon, euh, Claudiopolis, dans cette même province. Mais il faudra bien, il faut bien voir dès à présent, que ni le lieu ni la date de l'événement ne sont connus. En réalité, on ignore tout, pratiquement, euh, de la vie d'Antinous avant sa noyade en l'an 130 dans le lit. Il est donc préférable de ne pas tenir compte. De sa très hypothétique présence aux côtés de l'empereur dans la période allant de 123 à, disons, 128, tout en prenant conscience que, dans l'opinion de l'auteur euh, euh, des mémoires, euh, il est bel et bien présent, et c'est une opinion d'ailleurs euh, qui avait été partagée ou est à partager encore par euh, un certain nombre d'historiens. Ce qui est certain, en revanche, c'est le passage d'Adrien dans les deux grandes cités de la Bithynie occidentale, Nicée et Nicomédie. On estime même avec vraisemblance qu'il passa l'hiver euh, 122-123 au cœur de ce pays, plus présent, plus élément donc, euh, à, euh, dans l'ancienne la, euh, capitale des rois de Bithynie, Nicomédie, devenue euh, le, la résidence des gouverneurs de la province Bithynie et Pont. En 123, à l'arrivée d'Adrien dans cette province, le procurateur écrit d'Ursenard en était Cneius Pompeius Proculus. Mais elle fait observer dans sa note en postface que la date à laquelle le personnage en question fut gouverneur, dit-elle, de Bithynie n'est pas connue. Mais on voit mal pourquoi elle a tenu à faire ici euh, montre de tant d'érudition, puisque ce procurateur n'est euh, connu que par un document bien problématique. De, de, de Rome, et euh, au surplus, il aurait été euh, sans doute plus utile d'apprendre qui était, à l'arrivée d'Adrien, euh, le sénateur qui gouvernait cette province dirigée dix ans plus tôt par euh, Pline le Jeune. Or, on ne le sait toujours pas, semble-t-il, tandis qu'il importe assez peu de connaître le nom du ou des procurateurs alors en activité, ces agents personnels de l'empereur n'ayant, sauf ex exception, qu'un rôle politique limité dans les provinces euh, sénatoriales. Mais laissons euh, euh, ce point secondaire pour considérer le cas des deux cités qui se disputaient le premier rang au sein de cette riche province, Nicomédie et Nice. L'une et l'autre ville avait été gravement touchée euh, par un tremblement de terre survenu en l'an 120 déjà. Alors qu'Adrien se trouvait à Rome. Mais les textes historiographiques qui font euh, état de ce désastre dans le sillage de la célèbre chronique de sont tous des textes tardifs, euh, précisent qu'Adrien intervint en leur faveur, soit par le truchement de dons en espèces, soit en prenant à sa charge la reconstruction de certains secteur public. Lors de son passage en Bithynie en 123-124, il fut certainement soucieux, donc Adrien, de voir où en étaient les travaux de restauration. À Nicodémie, surtout, les traces du séisme devaient être encore bien visibles. Certains monuments privés en conservaient même le souvenir, comme cette stèle funéraire. Érigé à la mémoire d'un homme qui avait péri en tenant embrassé contre lui, dit l'inscription, ses deux enfants. Ayant retrouvé cette pierre dans les réserves du Louvre, Louis Robert fut heureux en 1978 de pouvoir la republier avec une belle euh, photographie. Mais c'est à Nice que se trouve le témoignage le plus monumental, peut-on dire, de l'intervention d'Adrien après le séisme de 120. Sur les deux côtés d'une des portes de la ville, en effet, porte de euh, l'Est, dit porte de Loïke, l'œuf kape en turc, les voyageurs avaient lu depuis longtemps une dédicace à Adrien, que les gens de Nicée firent graver au-dessous, au oui, d'une dédicace antérieure qui émanait d'un gouverneur euh, de la province sous Vespasien. Et s'adressait à l'ensemble de la famille impériale, comme aussi à la ville de Nicée, qualifiée de première de la province, protetes et parkeias, mot qui avait été martelé. L'intelligence du texte a beaucoup profité d'une étude consacrée par le même Louis Robert à la rivalité sans répit existant euh, entre les deux grandes cités. Euh, de la bikini, et cela d'abord dans une leçon donnée ici même, non pas dans cette salle, euh, il y a euh, 40 ans, puis sous la forme d'une conférence à Harvard University en 1976, où par le plus grand des hasards, je me trouvais être présent. Enfin, dans une publication très élaborée de 1977, commodément euh, republiée dans le choix d'écrit de ce savant. Euh, de façon définitive, peut-on dire, l'épigraphiste français y montrait en premier lieu que la plupart des interprètes euh, s'étaient mépris sur le sens des mots, Apo Dionusu qui se liste encore au début de la seconde, euh, de la seconde ligne de la dédicace à l'empereur, euh, en les rapportant à Adrien lui-même, sous prétexte que... Euh, L'empereur aurait pu se prévaloir euh, de cette euh, double ascendance en raison de son identification à Zeus Olympien, père lui-même de l'un et l'autre de ces dieux. Ainsi, Jean Beaujeu, dans sa synthèse de 1955 euh, sur la religion romaine dans l'Empire romain, encore Marcel Le plus tard, euh, car en réalité, ce complément d'origine n'a de sens que pour la ville de Nicée elle-même dite durette euh, très euh, pieuse, Eusebestate, qui pouvait se flatter, non pas certes d'être la patrie euh, de Dionysos et d'Héraclès, comme seul Thèbes de Béotie avait un droit reconnu à le prétendre, mais du moins d'avoir ses dieux pour patrons, ainsi euh, que le rhéteur euh, Dion de Pruse, en Bithynie même, l'affirme expressément dans un discours on ne peut plus topique, puisqu'il s'agit euh, du discours sur le, la concorde à Nicée, où il invoque notamment Dionysos propator tesde tes poleos et Héraclès octesas tende ten Polyn. donc le dieu protecteur et le dieu fondateur euh, de la ville, ce qui au surplus s'accorde parfaitement avec les types monétaires de Nicée. D'autre part surtout, Louis Robert a éclairé la partie de l'inscription qui avait été délibérément effacée. Euh, à la suite euh, euh, d'un martelage remontant euh, à l'Antiquité elle-même. Dans les inscriptions d'époque impériale, euh, on le sait, le martelage affecte euh, euh, normalement des noms d'empereurs voués à la damnatio memoriae, ainsi Néron euh, Domitien. Or, on ne saurait avoir affaire ici à un tel cas puisque les noms et les titres de euh, l'empereur sont, eux, parfaitement euh, conservés. Ce qui fut supprimé, ce sont des titres portés par la ville elle-même, de Nicée, sous euh, le règne euh, d'Adrien. Mais lesquels C'était en tout cas celui de Protetes Bitunias Caipontu, première de la Bithynie, et du pont, comme déjà dans l'inscription de l'époque flavienne. En revanche, Robert estimait moins vraisemblable. La présence de titres tels que Metropolis »,« Néocoros, qui eussent été une provocation à l'égard de Nicomédie. D'autre part, il a proposé une explication extrêmement séduisante du martelage lui-même, que les gens de Nicée n'avaient pas dû exécuter de gaieté de cœur, bien sûr, mais sous une contrainte extérieure. La chose avait dû se produire à la suite de la véritable guerre civile qui opposa en 1995. Le futur Septime Sévère, à son principal euh, concurrent, Pescennius Niger, puisque l'historien Hérodien nous informe que la ville de Nicomédie se rangeait alors dans le camp du vainqueur, tandis que Nicée, par haine de Nicomédie, prenait le parti du prétendant malheureux. Il est donc très aisé de supposer que les Nicéens furent forcés de renoncer aux titres euh, par lesquels ils narguaient leurs voisins depuis plus d'un demi-siècle cette exégèse lumineuse a bien résisté au temps, en dépit du fait que la lecture même euh, des deux dédicaces adrianiques ait été euh, modifiée dès 1978 par l'épigraphiste turc Sensor Sahin à la suite de la destruction d'une vieille bâtisse euh, qui masquait en partie les euh, inscriptions. Car dans la partie martelée des deux dédicaces, il est désormais établi que doivent être lues aussi... Euh, le nom « Métropolis », de même que l'expression « Neocorostone Sébastone », si surprenant que puissent être ces deux titres accordés à une autre cité bithynienne euh, que l'illustre Nicomédie. Mais n'est-il pas étrange à la réflexion que Nicée ait pu prétendre à ces titres exorbitants pendant euh, plus d'un demi-siècle sans être sanctionné Telle est en gros l'objection euh, qui a été élevée euh, par l'historienne euh, française Anna Heller, euh, dans une thèse parue en 2006, je reviens ici, euh, euh, intitulée, entre guillemets, Les bêtises des Grecs, ta euh, amartemata, expression empruntée à l'orateur Dion de Prusse pour caractériser cet esprit de rivalité exacerbée existant entre les cités. D'où l'hypothèse intéressante qu'Adrien, après avoir accordé ou confirmer de façon peut-être imprudente euh, aux gens de Nice les titres en question, les leur aurait ensuite retirés sous la pression des Nicomédiens. Il n'est pas utopique d'espérer euh, qu'un nouveau document viendra un jour éclairer euh, ce problème. En attendant, euh, on hésitera beaucoup à rejeter l'explication si convaincante de Robert pour le martelage même des inscriptions, car même dans l'hypothèse où Nice aurait été obligé euh, de renoncer très vite, sous Adrien encore, à ses prétentions abusives, personne ne put la forcer en temps de paix à se mutiler elle même en faisant effacer les titres gravés sur deux ou moins des portes monumentales de la ville. Il fallut des circonstances exceptionnelles, une véritable défaite militaire, euh, pour que les Nicéens fussent contraints, par la volonté d'un empereur présent avec son armée, de subir cette humiliation Public. Or, cela paraît bien n'avoir pu se produire que dans le contexte de la lutte pour l'Empire qui se joua sous les murs de Nicée au début du règne de Septime Sévère. Si l'on revient pour conclure euh, cette leçon au voyage de l'empereur euh, en Asie Mineure, euh, on sera tenté de penser que dès le printemps 124, Adrien quitta la Bithynie en direction de la côte occidentale de la péninsule pour. Euh, profiter de la belle saison, visiter en toute tranquillité euh, les grandes cités de Troyes, d'Éolien, surtout Johnny. De fait, on a désormais euh, un très précieux point fixe dans le calendrier de ces déplacements. C'est la grande inscription euh, d'Oinoanda euh, que nous examinerons tout à l'heure, puisque la lettre impériale a été expédiée d'Éphèse le 29 août euh, 124. Euh, le séjour d'Adrien dans le chef-lieu de la province d'Asie ne dut pas se prolonger beaucoup après la fin de l'été, puisque dès septembre euh, euh, eut lieu son départ très probable pour Athènes à travers l'Égée. Tel est le schéma assuré. Mais le premier semestre de l'année 124 pourrait bien avoir été en réalité beaucoup moins paisible que l'on ne pense de, euh, depuis un quart de siècle. En effet, de la vie de cet autre... Euh, spécialiste de l'Asie mineure qu'est Johannes Nollet dans un article très fouillé du périodique euh, Kiron en 2009, tout inviterait à penser euh, ou plutôt à revenir à l'opinion ancienne en insérant au printemps 124 et non pas seulement en 131 un voyage en trace qui devait aboutir à la fondation au cœur de la Bulgarie actuelle euh, dans un endroit très stratégique euh, de la ville d'Adrianopolis, la célèbre Andrinople, aujourd'hui Edirne. Bon, des bornes militaires, des monnaies euh, plaideraient dans ce sens. C'est euh, alors que l'empereur aurait conduit de prix, depuis Adrianopolis une expédition jusqu'au Danube pour repousser les invasions euh, euh, des Scythes, expédition à laquelle on peut rapporter euh, les vers facétieux du même poète Florus, déplorant d'abord, on s'en souvient, qu'un empereur eût à voyager chez les Bretons et eh, qu'il dut subir ensuite les frimas du pays scythe. Eh, Scyticas, pati, prouinas. À l'aller au retour, Adrien pourrait bien avoir séjourné à Byzance, comme l'invite à être pensé deux stèles eh, qui attestent eh, que l'empereur y fut hiéromnémon, c'est-à-dire magistrat éponyme, cela au moins pendant deux années eh, consécutives. Une mention de ce retour par la trace, Figurait très probablement dans le de physiognomica de Polémon de l'Odyssée, traité malheureusement perdu dans sa version originale en grec. Ce rhéteur des plus fameux, l'un des principaux représentants de la seconde sophistique, comme disent les modernes, fut en effet, des années durant, on le verra, l'un des intellectuels les plus proches d'Adrien, dont il put obtenir nombre de faveurs pour sa seconde patrie, c'est-à-dire Smyrne. Euh, alors que l'empereur était de prime abord euh, plus enclin à favoriser Éphèse. Donc de l'avis des meilleurs connaisseurs actuels dans ce domaine, je ne les cite pas ici aujourd'hui, le sophiste pourrait avoir rencontré Adrien à l'arrivée même de l'empereur dans la province de Bithynie-Pont, en lui faisant les honneurs en quelque sorte de ce pays qui était un peu le sien, euh, puisqu'il se trouvait être le petit-fils du dernier roi de, euh, du pont galatique. Dans ce cas, il aurait pu accompagner aussi euh, l'empereur au-delà des détroits, vers le pays euh, des traces et des sites, comme le suggèrent quelques toponymes, euh, qui sont inexactement transcrits euh, dans euh, la seule version que nous possédons, euh, celle en arabe, euh, de ce traité. Euh, C'est donc en compagnie d'Adrien que Polémon aurait regagné ensuite la province d'Asie, probablement par euh, Sisi, qui avait été aussi touchée par le tremblement de 120. Il faudra évidemment revenir à propos du second voyage impérial en Asie mineure sur l'action et, et toute l'activité d'Adrien dans cette partie du monde grec. Je vous remercie.